Le 13h, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. C'est extrêmement rare, la Belgique vient de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver. Bart Swings a remporté l'une des épreuves du patinage de vitesse. Les images dans un instant. Le pays s'est lui réveillé groggy ce matin après le passage de la tempête Eunice. Nous retournerons notamment à Tournai où une grue est tombée sur un centre hospitalier. Une enquête a été ouverte sur place comme nous l'expliquera Guillaume Wolf. Les excuses d'Infrabel, hier l'annonce de la fermeture partielle du trafic de train suite à la tempête est tombée très tard, trop tard peut-être. Nous verrons pourquoi avec Rachel Crivellaroux. Nous irons aussi faire un tour en forêt. Vous verrez qu'après le passage d'une tempête comme Eunice, il y a beaucoup de travail à y faire. Reportage dans ce journal. Enfin, comme chaque samedi, c'était il y a 35 ans, le décès du roi du pop art, Andy Warhol. Également les dégâts après le passage de la tempête Eunice. Elle a fait un mort et plusieurs blessés en Belgique. Depuis hier, les interventions de pompiers se comptent en milliers sur l'ensemble du territoire. Et ce matin encore, ils sont sur le pont, les pompiers. Reportage dans le Hainaut, Guillaume Wolf, Thierry Cassard, Philippe Loup. La tempête est passée, mais il reste du travail aux pompiers. Près d'une centaine d'interventions encore ce matin pour la zone de Wallonie-Picard, comme dans cette petite rue de village où un grand sapin s'est effondré sur la chaussée. Ce qui s'est passé, c'est que la force du vent, tout s'est écroulé. Et là, on est incapable, quoi. Par rapport à ça, on est incapable. Et on a eu beaucoup de chance qu'il n'y ait personne qui était en dessous, parce que s'il y avait une voiture ou bien quoi qui passait, ce qui est assez fréquenté, là, ça aurait été plus dangereux. Les pompiers de Wallonie-Picard ont été débordés par les appels hier soir. Plus de 600 demandes d'intervention en 24 heures. Les secours ont priorisé les interventions. Priorité effectivement aux grands axes pour assurer la sécurité. Certaines habitations ou bâtiments où il y a une menace de chute d'objets sur la voie publique qui pourraient aussi blesser gravement des gens. Ensuite, des situations qui sont plus stables dans des endroits plus calmes où il y a un autre passage possible pour les habitations. Elles sont faites comme ici le lendemain. Situation exceptionnelle aussi à l'hôpital de Tournai. Image impressionnante de cette grue tombée sur le tout nouveau service de gériatrie. Bilan un blessé et des patients ou collaborateurs de l'hôpital choqués. Nous avons dès aujourd'hui mis en place une aide psychologique tant pour les patients et aussi pour les collaborateurs qui étaient non seulement sur le site de l'impact mais également aux alentours parce que certains ont vu la grue s'écrouler et ont été forcément très choqués, ce qui est normal. La centaine de lits que comportait ce service est désormais inaccessible. L'hôpital se réorganise en ce moment pour retrouver une capacité hospitalière complète. Les experts, eux, évaluent le danger sur le bâtiment touché par la grue. Un risque d'effondrement, non. Par contre, on a des déformations sensibles sur une moitié du bâtiment. Donc je l'ai déclassé au point de vue accès jusqu'à ce que nos ingénieurs en stabilité puissent faire une analyse plus complète. Un périmètre de sécurité a été établi autour du bâtiment. Cette partie de l'hôpital restera inexploitable pendant un long moment. Et attardons-nous sur cette grue tombée sur le centre hospitalier de Tournai. Bonjour Guillaume Wolf, vous êtes sur place. On apprend ce matin qu'une enquête a été ouverte. Bonjour Laurent. Oui, une enquête ouverte par l'auditorat du travail qui est d'ailleurs déjà descendu sur place, notamment pour poser des scellés sur cette grue. La question s'est effondrée. Était-elle mal construite, mal montée? C'est ce que l'enquête devra déterminer. Un expert descendra sur place à nouveau lundi. L'autre interrogation dans cette histoire, c'est qu'est-ce que faisait ce grutier dans sa cabine, en haut de sa grue, en pleine tempête? Il s'avère qu'il était là quand les premiers vents ont commencé, qu'il était dans sa cabine quand les premiers vents ont soufflé et qu'il n'a plus osé descendre. Il a eu peur de redescendre lorsque les rafales étaient les plus fortes. Cet ouvrier est simplement blessé, ce qui est un demi-miracle. Il sera interrogé pour la seconde fois dans les prochaines heures. Cet effondrement, eh bien pour l'instant, l'entrepreneur de ce chantier ne se l'explique pas. L'hôpital se demande aussi si les autres grues, parce qu'il y a plusieurs grues ici, au total 5 grues sur cet énorme chantier, eh bien l'hôpital se demande si ces autres grues n'ont pas aussi été fragilisées par les vents d'hier. La décision a donc été prise de démonter les flèches et les parties supérieures de ces grues. Elles seront démontées donc cet après-midi, car ce soir on annonce de nouveaux vents violents sur la zone.
Merci beaucoup Guillaume Wolf pour ce point en direct. Et revenons un instant sur la soirée d'hier. Là aussi, elle a été mouvementée, elle a été agitée. Par exemple, à l'aéroport de Bruxelles, où de nombreux passagers sont restés bloqués dans des avions sur le tarmac. Des panneaux se sont également détachés du toit de l'aéroport, sans faire de victimes, heureusement. Sarah Hendricks avec Radonel Baroudi, Dominique Dussin et Pierre Brouillard. 20h hier soir, il fallait être patient dans le hall des arrivées de l'aéroport. Cette dame attend ses parents depuis 2 heures et la note de parking commence à grimper. 12 euros, je viens d'aller payer, j'allais partir et ils m'ont appelé en disant non, pars pas, on est là, j'ai payé 12 euros et du coup je vais retourner, je vais aller voir. Alléluia! Comme beaucoup de passagers, ses parents ont dû rester 2h30 dans l'avion après l'atterrissage en attendant que les rafales de vent se calment pour sortir en sécurité. On crevait de soif, il fallait payer sa bouteille d'eau. Non. Maintenant, c'est 3 euros la bouteille, voilà. Je pouvais l'offrir quand même. En fonction des compagnies, d'autres ont été mieux traités, mais ce sont aussi les bagages qui ont posé problème. Ça fait 2 heures qu'on attend nos valises et là on vient de nous dire qu'en fait l'avion est reparti à Barcelone avec nos valises. Donc voilà, donc c'est top. Ailleurs dans la capitale aussi, la nuit a été mouvementée. Dans les rues de Bruxelles, les camions de pompiers se croisent et se recroisent. En face de la Monnaie, une corniche menace de tomber. On a la gouttière là. La gouttière là qu'on va remettre. Malgré les rafales, les pompiers prennent de la hauteur. Ils découvrent que toute la toiture menace de s'envoler. On va démonter tout ce qui est dangereux. Un peu plus de travail que prévu, quoi. Ouais, c'est quand même un petit peu délicat ici, il y a beaucoup de passages. Justement, ouais, devant le théâtre de la Monnaie, énormément de passages. En plus, aujourd'hui, tout est libéré, donc les gens sont sortis. On va veiller à leur sécurité, quand même. Les interventions se sont succédées, surtout pour dégager des arbres et des objets divers, comme cette toiture dans le canal. Il a fallu parer au plus urgent. Nos 172 hommes et femmes de garde ont effectué 176 interventions jusqu'à minuit. Et là, on a décidé d'arrêter pour ne pas causer des nuisances sonores et les requérants n'étaient plus disponibles non plus. Ce matin, on reprend les interventions parce qu'on a une liste d'attente avec environ 300 interventions. Aucun blessé grave n'est à déplorer. Dans la capitale, on a donc évité le pire. Les pompiers espèrent clôturer les dernières demandes d'intervention d'ici ce soir. Et hier, le trafic des trains a été fortement perturbé. Il a même été interrompu en Flandre orientale et occidentale. Bonjour Rachel Crivellaro. Tout est rentré dans l'ordre à l'heure qu'il est ? Oui, on peut dire que le trafic est pratiquement rétabli. Les équipes d'Infrabel ont travaillé toute la nuit pour déblayer les talus, pour réparer les caténaires. Il reste encore quelques petits soucis sur quelques lignes de Flandre occidentale. La SNCB a d'ailleurs mis des bus à disposition des passagers. Et ici, à la gare du Midi, nous avons pu le constater, il n'y a plus aucun problème sur les grandes lignes internationales. Voilà une bonne nouvelle. Ceci dit, hier, l'annonce de la fermeture de certaines lignes a été jugée tardive par beaucoup, à tel point que Infrabel a dû s'excuser. Ben oui, parce que contrairement aux voisins Pays-Bas qui, eux, ont décidé dès jeudi soir de fermer préventivement leur réseau ferroviaire, Infrabel a préféré attendre vendredi de voir avoir plus d'informations sur la tempête Eunice, de voir quelle serait l'ampleur de cette tempête et quel risque cela comportait pour le réseau ferroviaire avant effectivement de prendre cette décision en cours de journée de fermer certaines lignes. Une décision, vous l'avez dit, qui a été très critiquée, qui a été décrétée, qui a été qualifiée, pardon, de tardive et dont la communication aussi a été fort critiquée au point que cela a valu pas mal de remontrances de la part du ministre des Transports Georges Gilles Quinet au patron d'Infrabel. Alors aujourd'hui effectivement Infrabel présente ses excuses mais note aussi qu'il faut peut-être tirer certains enseignements de cet incident. Je vous propose d'écouter Frédéric Sacré, c'est le porte-parole d'Infrabel. Mais nous présentons nos excuses, on l'a fait dès hier, pour toutes ces personnes qui se sont trouvées dans l'embarras par cette décision qui a été prise objectivement trop tardivement d'interrompre le trafic. Mais il faut savoir que ce n'est pas dans la culture en Belgique, comme ça l'est aux Pays-Bas, d'interrompre, d'annoncer une interruption 12-24 heures à l'avance du trafic. On a, nous, surveillé les prévisions météo et comme il n'y avait pas d'amélioration hier matin, on a pris la décision, mais c'est vrai, trop tardivement, d'interrompre la sécurité, d'interrompre le trafic pour la sécurité à la fois des usagers du réseau, mais aussi du personnel des chemins de fer.
Interview signée Rachel Crivellaro. Merci beaucoup, Rachel. Et s'il y a bien des lieux auxquels il faut être particulièrement attentif après le passage d'une tempête, ce sont les forêts. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail à y faire ce matin. Reportage en forêt de Soignes, Olivier Ballard. Pour ce hêtre de 250 ans, le vent a mal tourné. La priorité à présent, c'est de dégager au plus vite le chemin et le rendre aux usagers de la forêt. Nicolas est le garde forestier pour la partie wallonne de la forêt de Soignes. C'est lui qui a la difficile mission de constater les dégâts de la tempête. Ici, j'ai une dizaine de bois qui sont tombés de dimensions variables, dont certains de plus de 300 cm de tour. Voilà, on va, à mon avis, encore en découvrir l'un ou l'autre. Dans une forêt régulée toute l'année, un événement climatique sévère n'est jamais une bonne nouvelle. Ces chablis, arbres arrachés par la tempête, ont probablement déjà subi d'autres conséquences climatiques. Les facteurs qui font qu'ils peuvent tomber plus facilement qu'un autre, ben c'est leur taille, c'est leur déficience, à voir si l'arbre est déjà malade, s'il est dépérissant. Son système racinaire par rapport à son essence. Donc on a des chaînes qui tiendront plus qu'un résineux, vu que le résineux aura un enracinement moins profond. Ensuite, on a aussi l'état du sol, le sol qui est gorgé d'eau, l'arbre aura moins de prise au niveau de ses racines. Pour les exploitants forestiers, le travail ne manque pas. Il faut travailler vite et avec précision. Le bois récupéré sera vendu si, bien sûr, il est en état commercialisable. Quand il est abattu de soi-même, ben, soit des fois il est bien mis, mais des fois il est vraiment mal mis et c'est beaucoup plus difficile à les exploiter. Quoi. C'est ça. Ou ils sont cassés, ou donc le bois a beaucoup moins de valeur. Quoi. Une fois qu'il est fendu en deux, on ne sait plus les scier, et donc ça ne vaut plus rien. Une partie de ce hêtre de 10 tonnes partira rapidement en Chine pour être transformée en lame de parquet. Le reste sera valorisé en bois de chauffage. Un petit coup de main commercial de la tempête Eunice. Et la tempête Eunice a touché plusieurs pays européens, notamment le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Elle a fait 13 morts, en tout cas selon le dernier bilan. Et dans l'Hexagone, des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité. À suivre dans ce journal, ce drame à Beaufailly, un infanticide. Un père a tué son enfant avant de se donner la mort. Nous ferons le point en direct avec Audrey Degrange. Nous irons aussi en Colombie, où les hippopotames ont été déclarés espèces invasives. Le point dans un instant. Voilà qui referme ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Caroline Dossogne, suivie de l'émission Les Ambassadeurs. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve ce soir à 19h30.